on a eu l'entrée, maintenant voilà le plat principal, demi-finale de Coupe du Monde dans un instant. Les choses sérieuses vont commencer. Bienvenue dans ce match, une ambiance électrique pour cette demi-finale de Coupe du Monde. C'est toujours un grand moment pour ces deux équipes et nous sommes heureux, évidemment, de vivre cette incroyable affiche avec vous, la Suède contre l'Australie. Ce n'est pas tous les jours qu'on dispute une demi-finale de Coupe du Monde. Attention, l'enjeu ne doit pas prendre le pas sur le jeu. Vivre la compo de l'équipe suédoise. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Alors, voyons rapidement la composition de l'équipe australienne. Rapidité, endurance, organisation. Son 4-4-2 à plat, c'est un classique, mais c'est indémodable dans le football. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Kounekros. Excellent timing sur cette interception. Kaneryd. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Et le centre au deuxième poteau. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Le danger est écarté. Gorey avec Carpenter. Rasso. Fowler. Rasso. Allez, sur le côté pour ramener le danger. Ah non, finalement le ballon est perdu. Oui, en position illicite, hors-jeu sifflé par l'arbitre. L'appel était intéressant malgré tout. Kounekros. Fowler. Bonne intervention, la passe est interceptée. Johanna Kaneryd. Avec Blackstenius. Ah, le centre ne passe pas, c'est bien défendu. C'est dégagé, et donc attention, corner.
Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Le centre qui est contré. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Blackstenius. Une belle parade et surtout très bonne lecture de la trajectoire. Le corner bien tiré. Oh là là, dégagement complètement loupé. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Excellente intervention dans la surface. Kouné Cross. Ballon pour Keitley. Samantha Kerr. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Ah, ce ballon est dégagé, c'est bien défendu. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Aslani. Anderson. Et l'action continue. C'est une bonne séquence. Le centre n'arrive pas à destination finalement. Et la passe est complètement ratée. Canerid. Fowler. Elle laisse échapper le ballon. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Elle vient de nous réaliser. C'est une parade extraordinaire à cette distance. En deux mots, je dirais impressionnante. Ah, il est bien frappé ce corner. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Excellente couverture de balle. Ah, pressing réussi, pressing payant. Le centre vers la surface de réparation. Oh, la bonne parade. Le corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Le ballon sort, c'est une touche. Samantha Kerr. Avec Carpenter. Et les Australiens dépossédés du ballon. Rubenson. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Le centre est détourné. Ah, et le jeu sur les ailes pour progresser, c'est intéressant. Ah, le contre est possible. Rolfe.
Oh, ça peut aller au but. Et quel arrêt sur ce ballon, le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, ça fait but. Cornea. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé, ça peut profiter à l'adversaire. Le centre dans la surface, il y a du monde. Ah, difficile de reprocher grand chose à cette tête qui passe près du but, c'est un manque de réussite. Et les voilà en possession du ballon. Très bonne intervention dans la surface. C'est un ballon de contre à jouer. Alors le centre est contré, le ballon ne passe pas. Ah, le ballon est rendu. Angel Dahl. Ah, bien joué, elle remporte son duel. Le ballon en touche. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Cœur. Attention Samker. Et voilà un bon arrêt de la gardienne. L'équipe essaye un corner à deux. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Allez, le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Oui, bien fait ça. Allez, ballon bien capté. Rubenson, Anderson, Fridolina, Rolfe. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Oh, le ballon intéressant. Goal, 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 goal. Le premier but du match, cette demi-finale est lancée. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, bonne couverture de balle pour conserver la possession. Jörn. Ça arrive pour Samker. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement.
Et ballon qui est toujours dans le camp adverse. Ah, le ballon est contré. Attention, grosse occasion. Et oui, le but, mais il va être refusé. Le drapeau s'est levé. Faut pas me faire des choses comme ça. Je m'enflamme et puis rien du tout. Björn. Björn. Attention, il y a un bon pressing. Ça sort en touche. Johanna Kaneryd. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Kosovare Aslani. Ah, c'est bien parti. Intervention réussie sur ce ballon. Allez, bien frappé ce corner. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Ouais, la bonne intervention en pleine surface. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. L'action continue, c'est une bonne séquence. Ça monte à cœur. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Quel bon centre, toujours dangereux dans la surface. Finale est en vue. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Il y a la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Carpenter. Rasso. Ouais, la bonne intervention. Touche. Bonne progression dans le camp adverse. Cœur.
Fowler. Bien défendu, mais le ballon revient. Et finalement, ça ne donne rien. Il y a un contre possible à jouer là. Un face-à-face à négocier. Grosse occasion, mais la défense parvient à écarter le danger. Corey. Ballon pour Keitley. Kerr. Ah, peut-être un coup à jouer là pour Sam Kerr. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ballon sorti, renvoie au 6 mètres. Anderson. Anderson. Eriksson. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Björn. Rubensson. Rubensson. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Ah, la contre-attaque fait mal à la défense. Cœur. Ah non, c'est contré. La grosse pression à la récupération. L'attaque se poursuit, balle au pied. Et un but peut-être pour revenir à une longueur. Oh, le super geste défensif. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Le ballon en touche. Et le remplacement peut avoir lieu. Oh, attention à ce centre. Bombasso sur cette reprise de volée. Un geste plein de spontanéité. C'est somptueux. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Ce qu'on peut souligner ici, c'est l'équilibre de la frappe à la tombée. Un geste d'une grande beauté quand il est bien réussi comme celui-ci. Et le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Oulala, la faute, quelle faute! Et attention à ce que va dire l'arbitre. Et carton rouge, l'arbitre n'a pas le choix. C'était une occasion nette de but là. Et oui, elle n'a pas hésité. Ce genre de faute, c'est à la douche directement. La frappe, ça part bien. Attention, ce n'est pas fini. Et la défense s'en sort. Ballon bien dégagé.
Les scientifiques de la NASA, ils se demandent toujours comment ce ballon a été arrêté. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Fowler. Et maintenant, Van Egmond. Kerr. Corey. Avec Samantha Kerr. Marie Fowler. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Aslani. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Ouais, faute, l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Sam Kerr. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Alors, l'arbitre siffle la faute et attention, quand même au carton. Et l'arbitre l'avait déjà à l'œil après un avertissement. Là, c'est le jaune et c'est justifié. Oui, elle l'avait prévenu, madame l'arbitre. Ce qui arrive était parfaitement prévisible. Et la balle change de camp. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Le ballon part au deuxième poteau. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Cœur. Oh, le but de Caitlin Ford. On le voit, c'est les images. Ce n'est pas le but le plus difficile du monde à mettre. Non, le plus difficile, c'est d'avoir l'idée d'être là avant les autres. Et donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et voilà une séquence défensive de conservation de balle. Engeldal. Rubensson. Anderson. Ça arrive pour Blomqvist. Le ballon change de pied. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Centre appliqué vers le premier poteau. Le danger s'éloigne. Excellente intervention. Kathleen Ford. Très bonne couverture du ballon. Cœur.
Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Lina Hurtig. Angeldal. Canerid. Un ballon capté sans problème. Ah, bonne couverture de balle pour temporiser. Marie Foller. Oui, sans faute. Ah, le corps protège parfaitement le ballon. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Sam Kerr. Et oui, le but. Mais quelle fin de match. Ce but ne les met plus qu'à une longueur. Il faut faire encore un effort pour égaliser. On revoit bien cette frappe. Ce n'était pas forcément le plus facile de jouer le poteau rapproché. Je trouve que c'est très bien vu de sa part. Et suite à ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Rolfe, ouais, circulation de balle sans prendre de risque pour tenir ce résultat. Anderson. Rolfe. Anderson. Et voilà un ballon qui est intercepté. Canerid. Super progression dans la moitié adverse. Et ce centre vers le point de pénalty. L'attaque adverse est finalement bien repoussée. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Il va falloir garder son calme pour essayer de ne pas empirer la situation. Ce jeune, c'est pas cher payé. Une nouvelle expulsion n'aurait pas été injuste du tout. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Ah, le corps bien placé en opposition. Rasso. L'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score. Rubenson. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Le centre vers la surface de réparation. Et non, finalement, ça n'ira pas plus loin. Marie Foller. Et voilà une bonne option de contre-attaque. C'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Rolfe. Rubenson. Angeldal. Rolfe. Oh, la tentative lointaine. C'est terminé. Donc voilà, c'est confirmé devant leurs supporters. Cette sélection franchit l'obstacle à domicile, direction la finale de la compétition.